bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Symphony of War. On est prêt à lancer l'assaut sur le fort du bas. Après, peut-être encore un petit peu loin, mais on s'approche. Finalement, je pense que je vais ramener Arninus et Kaiser qui va s'occuper de ça. De toute façon, il est pas prêt d'arriver au temple. Ou alors, j'essaie de le faire arriver au temple le plus vite possible. Peut-être j'essaie... Ouais, non, il est hyper valeureux. On va essayer de le faire arriver au temple rapidement. Et de toute façon, faut dégager le chemin parce qu'il va se faire focus là. Du coup, on va plutôt aller là. On a du potentiel de générer du point qui est clairement pas neutre. Donc là, ce qu'on fait. Alors, toi, tu peux aller jusqu'où pour le moment? Il y a lui qui t'embête, mais même s'il était pas là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu serais quand même trop loin. Donc de toute façon, tu peux pas faire mieux que faire se rendre celui-là ou éventuellement celui-là. Pareil, là on est trop loin, donc ça va être à Jaromir de faire le taf. Du coup, ce serait peut-être plus intéressant... Ah, on peut même pas l'atteindre lui. Ok, donc Smoisis, débarrasse-nous de celui-là là. Voilà, qui nous gêne plus. Alors, je sais pas où t'as été encore dans le jeu. Attends, je peux. Ah ouais, si, il faudrait que je me mette ici pour pouvoir attaquer. Mais le problème, c'est que si je veux ressusciter lui, il faudrait qu'il bouge avant. Ah, je peux charger. Ouais, on va faire ça. Je sais pas où t'as été dans le jeu encore, Katox. Si t'as débloqué les Néphilim avec leurs pouvoirs et tout. Même si t'as commencé les quêtes du DLC, mais les quêtes du DLC sont très très vénères. Hein. Clairement. Ah, quel enfer. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, si je fais ça, après je suis niqué. Or, j'aimerais bien me débarrasser de celui-là quand même. Donc, tant pis pour la ressuscitation. On va se débarrasser de ça. T'as pas été trop loin, les examens t'ont pris trop de temps. Ah oui, bah ouais, malheureusement, je compatis. Ah, on a débloqué une téléportation, ça c'est pour Kaiser ça. Vas-y Kaiser. TP-toi ici. Ah, c'est pas si mal ici, ouais, ici c'est bien. Hop. Du coup là. On y va, on se guérit un peu. Là. Barnabas. Tu te fais ressusciter. Ah, tu peux pas rebouger après, ça c'est dommage. Ardarine, progresse toi aussi. Béatrix, demi-tour. Guérir. Célestin, ce serait bien qu'il puisse se ressusciter un peu. On va le capturer là. Je voulais regarder s'il pouvait échanger en fait, mais non, il peut pas, les cavaleries peuvent pas échanger. C'est dommage. Cela dit, il lui reste quand même du monde, hein. C'est pas une priorité. Hop, il faut qu'on aille chercher le coffre qui est là. On a plus que 3 tours. Ici, du coup. Abigail a le potentiel de se faire pas mal défoncer, et puis surtout il y a eux qui vont attaquer par derrière là. Ils sont extrêmement désagréables. Malice a souffert également. Mine de rien. Attends, ils sont pleines ces escouades quoi. C'est abusé. On peut éliminer la première ligne, mais derrière les archers vont nous faire super mal. C'est chaud. Je peux pas y aller là. Je peux tellement pas y aller quoi. Se faire dépouiller. My friends are counting on me. Ici on peut y aller, quitte à souffrir après. Avec nos attaques de zone. Ça fait quand même le taf. Ok, une escouade de moins, ça c'est plutôt cool. Ça va peut-être nous recharger nos pouvoirs. Assez, j'aimerais bien un exemplaire.
Mais malheureusement, on est trop loin. Repent before the righteous. Petite guérison. Non, ça sert à rien. Toi, tu captures ça. Hop. Un petit tour bonus. Non, pas de chance. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, mais. C'est 21 le nombre de tours cibles. Ok. Alors là, on pourrait commencer à tenter un assaut avec Gaelden, mais. Bon, de toute façon, on va avoir des pertes là. C'est obligé. On est obligé de s'approcher pour qu'il nous tire dessus, mais j'aimerais bien qu'il focus pas Gaelden. Donc on va juste prendre une case. I love this part. Et une pour toi. Ok, il nous reste qui? Il nous reste Malice. Malice, si elle avance. Elle est pas à portée. On peut essayer de se faire cela, c'est risqué hein, on va probablement décéder, mais il faut y aller. Ouais, les archers, attention. Oh, c'est pas aussi pire que ce que je m'attendais. Avec une petite attaque supplémentaire en plus qui fait plaise. Ok, c'est pas si mal. Ils vont probablement, c'est probablement elle qui va prendre le focus, mais il n'y a plus qu'une unité d'archers ennemis. C'est pas si mal. Voyons voir qui survit. Oh, la survivance avec 20 PV là. Ce qui me fait peur, c'est surtout les assassins là, parce que les assassins ils peuvent attaquer par derrière et faire bien mal à Abigail. Sa limite, c'est un soin gratuit. Ah, par contre, elle est fatiguée là, Malice. Elle soigne plus des masses. Intéressant, il préfère focus Jaromir, ça me va. Franchement, ça me va. Lui il va pas rester aussi loin. Alors là Bradzev, il va prendre la tatane. On lui a mis exemplaire, donc c'est lui qui va être focus par tout le monde. Mais il partira pas seul, comme on dit. Oh, les critiques. Les critiques, c'est pas cool. Et on a notre morale qui tombe trop à cause de la. À cause du désert. Ils sont vraiment capables de faire très très mal. J'aurais bien aimé pas activer les autres en haut, mais. Si je voulais charger, j'avais pas le choix. Ça va peut-être être une erreur qui va mener à notre perte, ça. Galios qui tient grâce à son Immortal Spirit. Je sais plus si c'est une fois par combat ou une fois par tour. Non, c'est une fois par tour. Ça aurait été abusé sinon. Ouais, on va perdre Bradzev, je pense, là. Beaucoup trop de monde en face. Ah, ils ont tellement de déplacements ces enfoirés. Avec des lanciers là c'est mort. C'était une erreur d'aggro ce pod là. Ça c'était vraiment une erreur de ma part. J'ai pas fait gaffe qu'il en restait un autre en haut et qu'il était à portée si je me mettais là. On va perdre sur ce flanc.
Après, envoyer deux escouades, c'était vraiment trop tendu. Hein. Ça y est, c'est le décès. Wow, on esquive pas du tout, bébé. Ça aurait été bien quand même quelques petites esquives là. Ah, les canons sur les squelettes. Ah, c'est le mage qui est tombé, tiens, rigolo. Enfin, rigolo. Pas agréable, mais. Ah, on les active tous là. Après, on va peut-être perdre cette bataille, hein. C'est de l'ordre du tout à fait possible. School is in session. Ok, Barnabas, faut avancer. Ah, est-ce qu'on va plutôt en haut? Parce que du coup, là, il y a du monde qui va venir essayer de prendre ça. On va lancer une petite météore là. Where am I needed? Alors toi, tu peux échanger gratuitement. Ouais, Brodaf, il a souffert, hein, putain. C'est tendu. C'est tendu, tendu, tendu. Et là, c'est des centurions à l'arrière, donc avoir les mages ne sert pas trop. Non, de toute façon, quoi qu'il arrive, là, l'objectif, c'est de se débarrasser des canons au maximum, donc on se les fait. Non. Je veux dire, le petit canon qui a survécu, mais non. Les actions supplémentaires qui le fusillent sur place. Parfait. Alors ici, on peut pas vraiment attaquer. Il reste 3 tours là. Ça s'est brisé, ça s'est secoué, ça s'est brisé. Lui, il est pas venu. Ça m'embête du coup, vraiment. Kaiser, tu progresses par là parce qu'on va vite avoir besoin de toi. Là, je suis juste pas sûr de monter ou de descendre en fait. Je pense que je vais monter. Pour aller m'occuper de la cavalerie qui arrive là. Ardarin. Ah oui, on peut pas ressusciter les morts vivants. Logique. Une guérison. Ce que j'ai bien envie de faire du coup, c'est booster elle. Ou alors mettre un malus de morale, parce qu'en fait le problème c'est qu'il faut faire tomber l'entrée là. You make this too easy. On dirait que tu es trop dispersé, non? Oui, mais j'ai pas le choix en fait. J'étais obligé de faire trois groupes différents. Et du coup, bah, par essence, ouais, ça disperse malheureusement. Mais tu vois, j'ai même avec trois groupes, j'étais un petit peu trop léger sur le groupe en haut à droite là, et ça a piqué. Et Rebigreff.
Bienvenue de nouveau sur le live. On va y aller en agressif avec Diana aussi. Voilà. Pas là pour déconner, elle. Donc il reste Broodaf. Broodaf, le problème, c'est qu'il faut qu'il arrive à faire du DPS. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre exemplaire sur Diana. Si j'attaque là, je vais juste attaquer un tout petit peu et je vais me faire fusiller d'archer. Getting real thirsty here. Je peux éventuellement faire des trucs avec lui, mais je sais pas s'ils peuvent attaquer eux. Non, je peux même pas attaquer. J'ai même pas le droit d'attaquer. Je peux me faufiler là. Et ouais, tenter. Avec les mecs qui vont attaquer derrière là. Oh, ils nous ont assommés les salauds. Ça fait le taf quand même. Oh, joli. Joli ça. L'action de fin qui tue le dernier pour que la soigneuse se rende, ça fait toujours plaisir. Bon, on va progresser un petit peu avec lui. J'ai quand même envie de tenter une attaque, mais... Ouais, ça va être compliqué, je pense. Il n'y a que lui qui va attaquer, mais on a éliminé le meneur. Ça nous a soigné. On fait revenir des morts vivants. On se prend une deuxième rafale. On est quand même un petit peu soigné. C'est toujours ça de prix. Bon. Ici, on charge. Une guérison. Non. Pareil, on y va. On va se placer prêt pour combattre. Du coup, là. Eux, soit ils vont aller en bas, soit ils vont venir ici. Est-ce qu'on peut sortir une nouvelle troupe? On peut sortir une nouvelle troupe. On va sortir Raskuja. Strike like fire. Et non, ah oui, on a perdu tellement de troupes. On peut sortir le coupe-gorge, on peut sortir Lysandre. Lysandre, il va être efficace pour les cavaleries là. Il a plein de lanciers, beaucoup de fusillés, ça va leur faire très mal. Alors ça s'est brisé, mais si on s'approche là, on est beaucoup trop dans le mal. On va plutôt venir ici. Voilà, parfait. Et on débloque la téléportation. Alors est-ce que ça va nous aider? On a joué tout le monde ici, donc pas vraiment. Tellement de monde. Oh là là, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. For my people, for my homeland. Allez. À l'assaut. Ah, oh, j'aurais peut-être dû prendre un visé le meneur. Ils esquivent bien, ils s'avouent. J'aurais carrément dû prendre un visé le meneur, mais bon. C'est pas trop grave. Toi, tu peux faire quoi? Pas grand chose. Jaromir qui gère bien quand même, j'aimerais bien qu'il puisse se débarrasser de ces trucs là, mais il va tellement attirer toute la planète aussi quoi. Allez, là on a une belle météore. On va les affaiblir un peu partout.
Alors je me téléporte avec elle pour pouvoir aller m'occuper de ça, mais alors derrière je me prends la masse d'attaque quoi. Je me téléporte avec Xmo 6 pour pouvoir aller faire se rendre quelques troupes. Ça peut être une idée. Ça peut être carrément une idée. Genre pour aller faire se rendre là-haut. Ça me permettrait d'encaisser, je pense, ça assez facilement. Allez, faire ça. Ok, un peu de moins de monde. Du coup, ouais, il n'y a qu'un seul qui pourra m'attaquer. En passant par là. Ok. Donc nous, par contre. Give me strength. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire se rendre cela et après prendre le fort. Hop, et du coup avec elle, on se contenterait de se mettre là, dans la montagne, et faire se rendre cela. Et on est bien, enfin on est bien. On est le mieux possible, on va dire. Mine de rien, ils nous usent, hein. Ah ouais. Ils nous usent. Puis ils esquivent tellement bien les enfoirés. Oh là là. La violence. La violence quoi. Alors qu'on est dans le fort. Hein. Bon là pareil, les attaques de derrière, ça fait... Ouh, on a survécu, ça c'est cool. Ouais, on a pris cher quand même. Hein. On a peut-être pas le niveau encore hein, pour cette mission, je crains. Oh là là. Ouais non, c'est pas possible. Waouh waouh waouh. Moi aussi ce qui s'est fait annihiler alors que je vous disais qu'il allait s'en tirer à peu près bien. Ah ouais là l'astre c'est la violence hein, je dis pas le contraire hein. Ouais non il nous faut des escouades du type de Le Cygne, mais que des escouades comme ça quoi. Non, va falloir qu'on se replie. Va falloir qu'on se replie là parce qu'on va juste se faire piétiner gratos. Je sais même pas d'ailleurs hein, si on peut se replier en vrai. Bon si, je pense qu'on va pouvoir abandonner la bataille. Bon, comment est-ce que Diana va s'en sortir de son côté? Allez, une attaque à distance, Diana. Waouh. Excellent. Enfin, c'était du semi-distance vu qu'ils étaient, ils étaient proches. C'était juste en haut du mur. Waouh. Oh, ça pique. Ça pique tellement les canons. Putain, les mecs qui restent à 1 PV quoi. Bon, je voulais voir ce que valaient mes escouades un peu entraînées dans la dernière mission du DLC, je sais. C'est encore trop short. C'est encore carrément trop short. Les mecs sont hyper vénères quoi.
Oh la vache, la ligne entière annihilée là, sérieux? Bon bah ça calme. I must stay strong. Je vais même pas aller chercher le coffre. It must be done. Comme il coince. Est-ce qu'on peut se replier du coup? Retraite. Ah, une poule. Retraite. Retraite. Bon bah c'est dommage. On aura tenté, mais ouais, pour l'instant pas encore le niveau là. Pas encore le niveau. Ah ouais, Katox, Runaway là. Là ça y est, je crois que c'est la première fois que je me replie vraiment. C'est pas la première fois que je perds. Et c'est la première fois que je me replie. Bon bah du coup je pense que je vais arrêter là malheureusement. Parce que j'ai mal au crâne, j'ai un mal de crâne qui est apparu là. Donc je vais faire une petite pause. Ça fait un petit épisode pour la VOD, mais bon c'est comme ça, ça arrive. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite.